Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Je réalise aujourd'hui une petite vidéo sur la nuit noire de cette semaine, l'enclos de l'hiver, et en particulier sur le passage final, donc le boss du prêtre Archonte, puisqu'on m'a montré récemment, donc c'est Lalim, hein, c'est Max qui m'a montré cette petite technique, un spot pour pouvoir le tuer plus facilement. Donc peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà, en tout cas je vous partage la technique. Donc il faut savoir que ce n'est pas un spot 100% sûr. Je ne vous conseille pas également de mettre votre bulle de titan ici puisqu'elle va vous gêner pour fraguer. Mais bon, nous on avait fait comme ça, c'est pas important. Le plus important c'est vraiment de vous mettre sur cette petite corniche. La petite astuce c'est de garder quelqu'un au sol, au rez-de-chaussée qui attire régulièrement le prêtre Archonte lorsqu'il commence à se décaler vers la droite. Et donc vous pouvez voir que sur cette corniche vous allez pouvoir le tuer facilement. Donc vous n'êtes pas, comme je vous l'ai dit, 100% à l'abri puisque les tirs notamment des collecteurs, des serviteurs peuvent vous atteindre. Il faut faire également attention aux snipers de fond de map, mais ça reste tout de même un spot beaucoup plus facile qui va vous permettre de tuer le prêtre Archonte un peu plus rapidement que si vous restiez simplement au sol. Dernière précision, il faudra faire très très attention au skiff, donc au gros vaisseau qui tourne régulièrement au-dessus du prêtre Archonte. Alors si vous êtes très très rapide, par exemple si vous arrivez à spawn kill le prêtre Archonte avec des Gjallarhorn, vous n'aurez pas le skiff au moment de cette étape finale. Toutefois, si jamais il se pointe à l'horizon, faites bien attention parce qu'un seul coup de skiff peut vous one-shot, notamment en nuit noire. Et voilà, c'est tout pour cette petite astuce. Je vous l'ai dit, c'était très rapide, c'était simplement pour vous montrer ce spot. Si vous le connaissiez déjà ou si vous apprenez cette technique, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis et de vos avis en commentaire. Et comme toujours, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !